chaque matin. Ouais. Il est fait. Tout frais, bonne odeur. Voilà le vrai calmar du Camden. Il y a manger, on va faire des tapas, je crois, de toute façon. Hein. Vous pouvez voir, c'est exactement la taille idéale qui rentre dans la casserole. Bonne pêche. Donc, un bon nettoyage, à l'eau salée toujours, pour pas perdre une goutte de goût magnifique. Voilà, nickel. On passe un petit peu des gros, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de public. Ils nous regardent de tous les coins de la France. Donc, ça tombe très très bien, parce que justement chez moi, à Denis, c'est pas pour faire de la pub, mais on a en ce moment la route à la tapa. Nous on n'a pas la route du Rhum, des gros événements comme ça. On a la route à la tapa qui est la route de la tapas, on peut dire comme ça. Donc chaque petit bar prépare son petit secret avec tous ses... Et après il y a un gros concours donc, qui fait tous les bars. Donc ça tombe très bien, aujourd'hui on va préparer notre tapa local. Kilomètre, on va dire mètre zéro, parce que vraiment elle est tombée du ciel juste à côté. On attaque, on est juste derrière Massif, on grappille quelques milles, on tourne à 33.2, 38, 34.2, pleine balle. Donc une vraie belle journée au milieu de l'océan Atlantique. Toujours un bon couteau dans la cuisine, c'est très intéressant, bien affûté. Regarde-moi ça mon petit Roland. Mais c'est magnifique tout ça. Mais c'est incomparable. Mais ce petit déjeuner tombé du ciel. Et voilà, un métier à haut risque quand même. Non, parce que là, ça envoie quand même. Voilà un petit 35 nœuds, tu vois, du coin de l'œil, pendant que j'essaie de ne pas me couper les doigts. Hein, parce que ça peut faire aussi une belle tapas, tu vois. Des foils en C, bien sûr. Comme sur Actual Leader. Tout va bien. Ça file. Et on rajoute notre calamar. Fantastique. Juste une petite goutte d'eau de mer pour redonner un peu plus de goût. Voilà, pas grand chose. C'est du citron bio, naturel. Avec ça, on ne gagne pas le concours de la tapa. Hein. Regardez les couleurs, magnifiques. Hein. Ah oui. T'as vu ça ou quoi? Ah oui. Sur un bateau, il y a un chef, c'est le skipper, mais il y a quand même un deuxième chef, c'est le cuistot. Donc là, il y a un pouvoir qui est partagé, on va dire ça comme ça. Que là, mine de rien, là, on papote autour de la cuisine, hein, mais t'as vu le spino, là. Là c'est la vitesse, là. Et voilà, pendant qu'on est à 35 nœuds, nous voilà notre belle tapas de calamar. C'est génial, tiens. Ça fait vraiment tapas, quoi. On paye au bâtonnet qu'il y a dans l'assiette. Exactement, comme un pays basque. Que ouais, non, dire. D'accord. Bon, Yves, vas-y, dégustation. Bravo Alex. C'est un plat très énergétique qui va nous permettre de rattraper, j'espère, quelques milles à nos camarades de Massif, des jeunes talentueux avec un super bateau. Et donc on a besoin d'un point extra pour pouvoir les rattraper. Nous voilà, on l'a trouvé ce matin. C'est génial, quoi. Quand il y en a qui embarquent des champignons, nous on a des filets pour récupérer la pêche au fur et à mesure. Enfin, chacun ses astuces pour bien manger.